Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Avatar Frontiers of Pandora. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné les deux premiers épisodes et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème de son. Donc j'ai changé des trucs dans OBS et maintenant normalement ça ne devrait plus arriver et on devrait avoir du bon son pour tous les jeux, j'espère. En tout cas, pas des problèmes comme il y a eu. C'est-à-dire que j'avais deux sources du jeu et elles étaient décalées d'une demi-seconde et vous entendiez les voix en double, donc c'était pas agréable. Je me suis dit, pour une série de cette qualité, je vais recommencer. C'est bon, j'ai passé à peu près une heure et demie et je pense arriver vers la fin de la zone de la partie tutoriel du jeu, mais il y a deux, il y a une partie tutoriel où on enferme, une partie tutoriel où on fait de l'exploration. Voilà. Et j'ai mis le jeu en mode exploration, donc il y a deux modes, il y a le mode classique où on vous dit où il faut aller pour une mission, et le mode exploration où on vous dit il faut aller vers cet endroit, et c'est à vous de trouver l'endroit précisément. Donc je commence, les premiers épisodes seront en mode exploration, peut-être que plus tard je n'aimerai plus ou j'en aurai marre et je passerai en mode normal, mais pour le début ce sera en mode exploration. Autre info, juste avant, sur Twitch il y a des drops en ce moment, je pense que la sortie de cet épisode, c'est encore actif. Donc il vous suffit de regarder de live sur Avatar Frontier of Pandora et vous pouvez avoir des drops si vous avez le jeu. Maintenant je vous laisse avec les cinématiques, on se retrouve juste après. Pandora, on ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ré. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre? Ah, allez. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Taylan. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous? Ah, Ré. Alma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant, quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Built upon its slang. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry, ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Manor? Manor, de Enzi. Angal Nahu, Tam. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan. Ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir.
ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aonakan et Kelku. Bon travail, Teylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés. Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée, et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous, hein? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter! Allez, on rentre chez nous. Aonakan et Kelku. Je préviens, Harry, pas un pas de plus! Ça, pour ma Taylan. Wenkivan et Kelku. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines ? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège ? Cortez, je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi ? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les Na'vi contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous...
Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord? Et donc là, on se retrouve dans une partie, enfin, même si encore une toute petite cinématique, dans une partie, comment dire, configuration du personnage. On a de la... Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ouais, de toute façon, on va rester une femme. Hein, on reste logique. Et là, on peut personnaliser le visage. On a une belle... comment dire, une belle quantité de possibilités... Ok, très bien. Yeux. Je vais mettre ici. Nez. Bouche. Et oreille. Hop. Ensuite, on a les cheveux. Je pense que je... c'est celle-ci. Hop, et la peau. Alors, on a plusieurs choses à faire. Toutes les petites taches lumineuses que l'on voit. Celui-là est bien. Là, je ne sais plus du tout. Hein. Celui-ci, le 11, très bien. Motif de peau. Donc là, c'est les rayures que l'on a, nos zébrures. Hop, et là, c'est la couleur de la peau. On peut être très bleu. Vite partir sur un truc. Oh, très bleu, ça me plaît en vrai. Très bien. Confirmé. Et on se retrouve pour la dernière cinématique. Avant la prise en main, donc je vais laisser mon micro activé. Et on va commencer à jouer. Je sais plus si on a des yeux. Ça reste très long hein, pour un début. Mais ça va. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps, pendant très très longtemps. Wallatikame. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici. Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermée dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis. Enfin, ils sont tout petits. Ça arrive pour de vrai. Nous allons tous sortir. Ensemble. Pourquoi tout paraît si différent? Hop. On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. On peut devenir tout petit, de la taille humaine. Mais j'adore avoir les humains. Enfin, là, ça veut dire qu'on est accroupi. Hein. Donc voilà, je connais les objectifs du début, donc je vais peut-être aller plus vite que dans ma première tentative. Et être plus efficace, surtout. Dans le deuxième épisode, il y a un moment où on devrait être plus efficace. J'espère être plus efficace. Alors là, je sais. Tac. Et donc là, on doit sortir de la base.
les enfants. Ils sont vivants. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors ? Tout juste. Ok, donc là on court. Alors, moi le jeu c'est un jeu que j'attendais pas trop. Hein, parce que en fait, je savais qu'il y a un jeu qui allait sortir. Je savais qu'il avait été repoussé plusieurs fois. Mais comment dire, j'avais l'impression qu'ils en parlaient pas, donc c'était pas pour tout de suite et j'ai pas suivi les dates. Donc, et ils ont fait très très peu de pubs jusqu'à il y a 2-3 semaines. J'ai commencé à voir quelques pubs. Sur internet, hein, des pubs pour dire que ça sortait. Je me suis un peu renseigné. Il y a plusieurs choses. J'ai entendu que les gens comparaient beaucoup ça au Far Cry. Far Cry, j'ai jamais joué, donc c'est pas un truc qui va me déranger. Et ensuite, ils comparaient ça aussi à Mirror's Edge. Pour le côté là, hein, le côté on court partout, on saute. Et crotte. Et je, même si j'ai jamais joué à Mirror's Edge, je connais le jeu et je suis plutôt d'accord que ça on le verra dans pas longtemps. On sent le côté Mirror's Edge du jeu. Donc voilà. Comme j'avais dit la première fois, je vais quand même explorer. Si ça se trouve j'avais mal regardé, il y a des portes partout, des endroits cachés, donc moi ça me donne envie d'aller fouiller. Voilà, on a une première arme, c'est nos points. On va y aller très très discrètement. Hop. Non, non, non. Ça explora trop vite. Je vais la voir passer. Et je me suis caché. Quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va? Ah, copain, bonjour. Tiens, prends ça. Une radio ? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé ? Ils te cherchaient, toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite ! Attends ! Quel est ton nom ? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez ! Allez, alors ensuite. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Alors. Qu'est-ce que je cherche ? Ah oui. Ici. Donc là, on est en mode infiltration. Il faut pas qu'on se fasse repérer. Parce qu'on a aucune arme. L'arme, on va l'avoir un peu plus tard. Notre première arme. Mais là, on joue sur... Vous voyez, on n'est pas de poids face à des gros mechas. Sorlek, tu m'entends ? Où sont les autres ? Ils ont réussi à sortir ? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité. Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer.
Ok, là on entend du monde. Donc on fait attention. Ok, ça me semble correct. Pourquoi ils ont cryogénisé des navires? Arrête de regarder ça. T'as entendu Harding, il faut qu'on les retrouve. Attends, t'as entendu ça? Eh oh, les navires, vous êtes là? C'est Zaxatrek. On veut juste parler. Vous êtes délicieux, barbecue. On a un cadeau pour vous. Ouais, trop bonne idée. Hop. Je fouille, hein. J'aime bien fouiller. J'aime pas être ici, mais alors pas du tout. Et ça permet aussi d'apprécier le décor. Autant ça a été fait, donc autant aller le voir. J'irai pas affronter un pyro, ils ont l'air cinglés. Ok. Il y a des choses qu'on n'a pas encore débloquées. Ok. Rien vu. Voilà. Je suis un ninja, non? Bonjour. Alors. Ok, là en dessous on a du monde, encore. Et ici. Ah, le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Voilà. C'est pas dur. Là, par contre, je savais où il fallait. Donc, la dernière fois, j'avais fait le tour des ordinateurs. Le choix. Bonne nuit. Je pense qu'on aurait pu les esquiver, mais. Je suis sorti. Bien, maintenant va. Sors, Alec. On va essayer de le retrouver. Ah, parfait des plantes. On n'est pas loin de la sortie. On a dormi combien de temps? Longtemps. Et donc le jeu se passe normalement, si j'ai bien suivi, en parallèle de la Voix de l'eau, donc du deuxième film Avatar. Et si j'ai bien suivi aussi, il y aura un impact de l'histoire ici sur un des prochains films. Le prochain serait pas déconnant. De s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Piou 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 ! Thank you.
Là, il faut qu'on court. Donc c'est là que je disais qu'on sent le côté Mirror's Edge. Sors, Blake. Est-ce que ça va? Oh, c'est pas passé loin. Solek? Parce qu'on est bientôt dehors. D'ailleurs, un jour, je ferai peut-être les Mirror's Edge sur la chaîne. Ou en live, qui sait. Je les ai jamais découverts, mais j'ai toujours aimé les regarder, donc... Enfin, j'y ai jamais joué, mais j'ai toujours aimé les regarder. Là, on me fait manger à la ration. Et alors ? Nouvelle quête. Et oh ! Peut-être que les autres ont suivi l'eau ? Très bien. Donc là, on voit. Donc vous voyez, c'est ça l'histoire que je disais. Normalement, on a une carte. On a une carte. Mais on connaît rien de la carte. On la connaîtra plus tard. Vous voyez une belle carte. Là, on n'a pas de points pour aller à la quête. On nous dit, ils ont peut-être suivi le ruisseau. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? D'ailleurs, l'eau est le jeu est magnifique. Hein. Moi, je m'y perdrais. Et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de recommencer. Parce que même si je connais, j'ai déjà fait. Bah, c'est super beau. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit suivre la quête. Il faut aller vers l'eau. Bah, il faut suivre la rivière. Hop, en appuyant sur A, on peut avoir les objectifs. Il faut suivre le ruisseau. Là, on voit quoi? Un truc en feu. Encore la RDA. Que s'est-il passé? Et là, on voit des armures un peu partout. Donc, on va les suivre. Suivre les débris de la RDA et chercher la station de carburant. Du coup, c'est ce qu'on fait. Hop, et la station de carburant, bah c'est ici. Ok, très bien. Là, on ramasse des choses. Près de l'arbre. Oui, deux secondes. Deux secondes, j'ai plein de boîtes à ramasser. Et les boîtes, c'est pour faire des échanges. Par ici. Donc elles sont utiles. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. Tu es ici chez toi. La forêt te parlera si tu l'acceptes. Laisse tes sens te guider. Bosquet d'archer. Et hop, là on doit ramasser. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal. Là il faut que je fasse ça et ensuite. Il m'en reste une. Nous devons partir d'ici. Tu peux bouger ? Le Dapofet. J'ai besoin d'une cosse de Dapofet. Je vais te trouver ça. Ne t'en fais pas. Sure.
sur le rivage. Il pousse près de l'eau. Ok, donc là on a un peu de flèches. On peut ouvrir la carte et on doit aller près de l'eau, donc vers le nord. Ah, quoique non, c'est pas vers le nord. C'est ici, c'est vers l'ouest qu'il faut aller. Parce que oui, je sais. Vous voyez, on voit la cascade là-bas. On peut avoir la cascade comme zone de référence. Ah. Là, on entend quelque chose. Utiliser nos sens. Voilà, c'est ici. Dapophet. Voilà, ce qu'on a surtout vu. Une, deux, trois ennemis. Un peu touché. C'est fini pour toi. Aussi, faire comme ça. Alors, on va faire A. Mince, je peux pas les... Non, plus de soldats. Il n'y en a plus, ils sont morts. Solek, j'ai trouvé le Dapophet. Je reviens. Il y avait plus de soldats. Alors, on est à 14, donc on va garder pour le moment. Capturé vivant. Là, je me suis foiré. Il doit pas me voir. Voilà, j'ai pas été très bon sur ce premier combat. Tu apprends vite. Ouais, mais j'étais mauvaise. Première fois que j'avais fait, j'avais fait exploser l'armure en fait. Dans son dos, il y a deux batteries. Là, on peut pas les voir. Ah, non, on peut pas les voir. Et dans son dos, il y a des batteries. Et bon, on peut les faire exploser.
Bon, je viens t'apporter ta... ton soin. C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends ! Et je fais quoi maintenant ? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non! Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Donc j'aille vers la cascade, donc. Prochain objectif. Combien, 38 minutes? Ouais, ça devrait aller. On sera à peu près au même endroit que là où on s'était laissé. Enfin, que là où j'avais fini le premier épisode. Et donc je récupère ces boîtes parce qu'elles me seront utiles. Plus on en a, plus on pourra vite faire du commerce. Je pense qu'il en faut 5 pour pouvoir faire les premiers achats. On va voir ça dans le deuxième épisode, hein, les achats, mais... vu les œufs là, ils peuvent exploser. Alors là, hop, on grimpe. Parce qu'ainsi, ici, on peut faire une récolte. C'est très bien. Et normalement, si on fait A en nourriture... on peut le manger. Laisse tomber. On doit aller vers la cascade. Hop. La cascade. La base de la résistance doit être là-haut. Très bien. Alors ici on a une boîte, c'est ça? Ouais, on a une boîte. Je me disais bien. Ici... ah oui, je pense savoir, il faut... bah oui, là. Hop. Bien. Oui, on peut aussi courir sur les murs. Et là, il y a quelque chose. Moi, ce que je propose, c'est que pour ce premier épisode, on s'arrête ici. Parce que ça me semble être une très bonne fin. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu, que cette série vous plaît, que vous êtes intéressé par le jeu éventuellement. N'oubliez pas, pour ceux qui ont le jeu ou qui veulent le jeu, qui veulent avoir le jeu, prochainement, il y a, si j'ai bien suivi encore, jusqu'au 19 peut-être, à vérifier, des drops sur Twitch pour les gens qui live. Donc si vous allez voir quelqu'un qui live le jeu, même si vous ne regardez pas, hein, vous mettez le son à 1%, vous laissez le live de côté, vous n'êtes pas obligé de regarder, au bout de 2 heures, vous avez 2 drops.
Donc c'est très intéressant. Un drop au bout de la première heure, un drop au bout de la deuxième heure. Donc ça reste intéressant à faire. Maintenant, je ne sais pas à quoi ils servent, parce que dans ma première tentative, je ne les avais pas encore eus. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà, moi je vais vous laisser ici. Tout ça. Pensez, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser un pouce bleu. Sinon, vous pouvez laisser un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.